Pour expliquer comment en finir avec la tendinite, je vais vous faire un dessin. On va utiliser Tom. Tom, il joue au foot avec ses copains. Ils sont en CE2 et ils sont contents. Ils se tiennent la main. Ils jouent dans la cour de la récré. Malheureusement, ils jouent que contre des CM2. Et les CM2, ils sont méchants. Genre méga méchants. Du coup, à chaque fois qu'ils jouent contre eux, ils se font battre les copains CE2. Du coup, ils se blessent les uns après les autres. Ils tombent comme des mouches, les pauvres. Du coup, Tom, il est tout seul. Seul contre tout un tas de CM2 méchants. Du coup, il s'est explosé la gueule. Il se fait latter encore et encore et encore. Et encore, parce qu'il est tout seul, il faut d'autres copains. Et toi, ça te dirait de revenir jouer contre les CM2? Les méchants CM2? Bon, non, pas vraiment, je vais encore me blesser. J'ai entendu dire que pour être meilleur en sport, il fallait s'étirer. Ou prendre du repos, je sais plus trop. Le problème, Tom, c'est surtout qu'on est que deux. Ah, mais j'ai une idée! On va jouer contre les CP. Cool. On regarde. Les CP, ils sont tout petits. Ça, c'est un petit CP. Ça, c'est un petit CP mal fait, dessiné par Major Mouvement. Regarde. Même s'il y a plein de CP autour de nous, on va pouvoir courir tellement vite, être plus fort qu'on pourra mettre plein de buts. Faire des reprises de volée, des pas chassés, bref, des trucs de footballeur. Du coup, tous nos copains CE2, ils vont revenir jouer avec nous parce qu'ils aiment gagner eux. Donc là, ils vont revenir un par un parce qu'ils vont enchaîner les victoires avec nous. Et ils seront contents. Et tout le monde sera content. Grâce à ça, on pourra battre les CP, les CE1, les CM1 et ces petits bâtards de CM2. Comme ça, on aura battu toute l'école parce qu'on sera trop fort. Et ben en fait, c'est là où je voulais en venir. Depuis le début, Tom, c'était une fibre musculaire. Et comme il a récupéré tout un tas de copains qui au départ étaient blessés, il a recréé un muscle fort qui est capable de soulever des charges et de battre plus fort que lui. Donc comme vous l'aurez compris dans cette allégorie parfaitement bien faite, si à un moment donné vous ne refaites pas du muscle sur un tendon qui est seul à travailler contre une charge trop lourde, le CM2, vous n'y arriverez pas. Donc, chargez plus faible, courez moins longtemps, moins fort, moins vite, le temps de valider les CP, les CE1, les CM1, puis les CM2. Augmenter petit à petit en charge sur des délais de plusieurs semaines pour enfin y arriver.